Ce qui est vrai, quand on dit poisson d'avril, ça signifie que c'est un mensonge que quelqu'un ou quelqu'une peut tramer sans vouloir en fait dire poisson d'avril. Je ne peux pas adhérer à ça parce que ce n'est pas une réalité. Parce que ce qui est vrai reste vrai. Et quand c'est le contraire, ça n'a plus de sens. C'est chercher à mentir les autres. Moi j'approuve, c'est un mensonge qu'il faut essayer de faire pour les autres. Comment là. C'est le mensonge. Pour moi, c'est le mensonge. C'est pas bien divertir quelque chose qui est hanté les morts. Comment c'est pas bien. Ce sont des réactions des Panténégrins sur la date du 1er avril, considérée comme jour du poisson d'avril. Allant d'une plaisanterie à un canular drôle ou triste, le gros poisson d'avril reste toujours d'actualité. Pour la petite histoire, c'est au 15e siècle que le terme poisson d'avril était employé pour désigner un intermédiaire. C'est deux siècles plus tard que cette expression changera de connotation pour désigner cette fois-ci tromperie, une mystification traditionnelle du 1er avril. Ainsi, donner un poisson d'avril signifierait faire accroire à quelqu'un le premier jour d'avril une fausse nouvelle ou l'obliger à faire quelques démarches inutiles pour avoir lieu à se moquer de lui. Eh bien, si on vous disait que MCR TV est déjà disponible sur le Bouquet Canal via la chaîne 331, vous y croirez ?